Réalisée en 2008, l'étude Maïdia a montré qu'à Mayotte, plus de la moitié de la population est en état d'obésité ou de surpoids, et plus particulièrement les femmes. 79% d'entre elles souffrent de surcharge pondérale et 47% d'obésité. Pour contribuer à lutter contre ce phénomène, l'UFOLEP a créé en 2017 le programme Sport pour les femmes. À Mayotte, les femmes n'ont pas tendance à faire des activités sportives, à part laver des vêtements ou rester à la maison faire à manger pour leurs hommes. Et le fait de les faire sortir de chez eux, ça nous permet nous aussi en fait, de mobiliser tout le monde. Et ne serait-ce à faire de la marche ou même sortir de chez eux faire des activités sportives, nous aussi ça nous aide, étant une femme éducatrice sportive, donc je pense que pour eux c'est bénéfique. Ici, on est amené à faire des activités sportives, notamment tout ce qui est sport et société, et à aider les gens à faire des activités et à sortir de chez eux. On est deux éducatrices, on intervient sur le terrain, donc on intervient sur différents sites de Mayotte, notamment à Mamoudzou, dans la commune de Mamoudzou, la commune de Bouandaboua, la commune de Chikoni et la commune de Dembéni aussi. Ainsi, tout au long de l'année, des dizaines de femmes s'adonnent chaque semaine à la pratique sportive. Ici sur l'île, il y a beaucoup, de maladies, beaucoup d'obésité. Donc les médecins les orientent à faire du sport au lieu de rester à la maison. Prenez que des médicaments. Le remède c'est le sport. Laukana una mahanyengi wa moifanya sport mtu zona mba fete kusikonza tavahanu wa ushindo enda hamindu mbali wa ushindo fanya pezi tongo bene kama mtu kasifanya sport raboneri mtu ureiwa kama. Au fil des séances, en plus des bénéfices sur la santé des participantes, le programme a pris une dimension intergénérationnelle puisque de plus en plus de participantes viennent avec leurs filles et parfois même leurs petites filles. En fait, je suis venue parce que j'ai vu ma mère et ma grand-mère qui sont venues et je me suis dit que je dois venir. Je crois que, vu que je suis là, ça les motive, vu qu'ils sont avec des jeunes. Pour répondre à une demande sans cesse grandissante, l'UFOLEP envisage d'aller encore plus loin et d'étendre son action sur l'ensemble du département.